On a Valentin. Blanchard fait un excellent travail. Marvin Audouard fait une belle remontée aussi. Le sociétaire du pays des Alonnes cyclistes, c'est Jimmy Angoulevent qui revient en troisième position. Il a passé Clément Morand avec Thomas Bourreau. Thomas Bourreau, parfois la malchance, il avait chuté à sa jambe et c'était... des opérations. Voilà, le Salon Frédéric également à Saint-Même-le-Tenu qui nous fait partie des annonceurs. Top pour Jean-Philippe. Allez, on remet les pendules à l'heure. Hein, Jean-Philippe, 36-30. 30 secondes. Jimmy Angoulevent passe avec un retard de 10 secondes. 10 secondes pour Jimmy Angoulevent. Mais attendez, on finit la course des... Voilà. Alors, ils sont...
Et il reste 14... Alors, Jimmy Engoulevent a changé de tout de suite quelques longueurs. Les deux premiers sont passés depuis près d'une minute maintenant. Les deux premiers sont passés depuis près d'une minute. Alors là, on retrouve un des sociétaires, c'est le 17 sociétaire du SS Stone, c'est Sébastien. Voilà, il restera au prochain passage lorsque les leaders franchiront la ligne. Deux tours. Hein. Premier junior, Valentin Blanchard. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir, hein. Ça a été un géant. Non, c'est bien. Alors que l'on retrouve ici le 22, il est en 19e position de ce cyclocross. Valentin Blanchard, vainqueur le week-end dernier. Hein. Il était deuxième du cyclocross de Chalentre, deuxième du cyclocross de Notre-Dame, deuxième à La Garnache, troisième à Esnay. Il est allé position et était parti en 29e. Voilà. Allez, avec ici le 20. Alors, on retrouve maintenant. Thibaut Pontreau, le dossard numéro 13, Thibaut Pontreau. Allez, pauvre Thibaut, c'est 3 tours de l'arrivée. Hein. Thibaut, c'est 3 tours. 3 tours de l'arrivée pour les coureurs qui passent maintenant. On retrouve derrière qui a été constant tout au long de la saison en cyclocross en Vendée, monsieur Fabien Renard. Voilà, le 24 ici, Fabien Renard, top. Face à la fin, bien entendu.